Bonjour à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. Les informations que je vous propose ont comme source mes contacts extraterrestres, en direct, à l'écrit et en audio, depuis 2016, notamment avec mon contact principal, Zen. Elles sont donc uniquement d'origine extraterrestre. L'histoire qui y est racontée est la nôtre en tant que descendants des anciens cosmonautes qui ont vécu sur Terre et qui sont encore actuellement présents sur Terre ou en haute orbite terrestre. Ce dimanche 21 janvier 2024 aura lieu le troisième webinaire de la série annuelle Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à 17h. Comme présenté dans les deux premiers webinaires, dans les temps anciens sur Terre, les bouleversements chaotiques et une grande partie des catastrophes mentionnées dans les textes historiques ne sont pas le résultat d'une collision avec une météorite ou avec une planète plus petite, mais les conséquences de guerres violentes entre différentes lignées extraterrestres qui appelèrent ces guerres les guerres d'un million d'années. Elles générèrent une migration des peuples stellaires vers différents systèmes solaires, y compris le nôtre. Cette migration est connue sous le nom de Grande Expansion de la Lyre. Des groupes de Lyriens qui avaient été attaqués par des colonisateurs de la constellation d'Orion s'enfuirent et s'installèrent dans la constellation du Triangle, dans les Pléiades, et arrivèrent sur Terre où ils commencèrent à développer une civilisation holographique avancée qui utilisait l'énergie libre, des aéroports spatiaux, des vaisseaux qui traversaient les cieux comme l'ont décrit les Upanishads, les textes sacrés de l'Inde. Vous pourriez regarder ma vidéo numéro 2022, trait d'union 22, publiée sur YouTube qui décrit ce type de société. Les Lyriens établirent une première colonie sur Terre, puis après leur installation dans les Pléiades. Alors qu'ils s'appelaient dorénavant des Pléiadiens, ils atterrirent sur Terre et ils y établirent leur propre colonie. Lyriens et Pléiadiens coexistaient harmonieusement, tout autant qu'avec les proto-humains autochtones. Cette première base se trouvait en Océanie, une très large zone en Asie, aujourd'hui partiellement submergée. Leur base s'appelait Lémurie et la capitale était Mu. Elle se développa au cœur d'une civilisation positive à l'échelle planétaire. La Lémurie n'était pas seulement une zone géographique, c'était une civilisation complexe, composée de diverses communautés culturelles, comme le sont de nos jours les grandes capitales du monde. Donc les Lyriens, les Pléiadiens et les proto-humains coexistaient en harmonie jusqu'à ce que les draconiens, reptiliens, qui continuaient à les pourchasser, s'y installèrent après avoir mené la première guerre ancienne pendant laquelle des armes nucléaires furent employées qui laissèrent des traces de radioactivité ionisante dans certains pays d'Asie ou au Pakistan. Ils appelèrent leur colonie Atlantis. Voilà, j'espère vous voir très nombreuses et nombreux à ces webinaires. En attendant, portez-vous bien.